Mirador, tour de chauffe. Se déboutonne sur le vif. Encore une fois, merci de nous rejoindre sur la 95.3 ici à Conakry, mais également sur le réseau synchronisé de Dabo Media du côté de Cancan et de Zérékoré à Mamoun. Vous nous écoutez sur Fraternité FM. Nous, Baldé, bonjour. Bonjour Aris, à tout bonjour à tous. Des choses à dire ce matin, hein, le président Alpha Condé autorisé à aller se faire soigner. Le président Alpha Condé, l'ancien président, comme aime à le répéter le CNRD pour éviter sans doute des confusions, a été autorisé d'aller se faire traiter à l'étranger. Le CNRD a rendu public le communiqué hier. On voit qu'il a été signé le 19 de Sadiba Koulibaly. Le communiqué ne nous dit pas quand est-ce que le professeur Alpha Condé va quitter Conakry, jusqu'à quand il sera à l'étranger, où est-ce qu'il ira. Ça n'a pas été précisé par ce communiqué, je le disais tantôt, signé de Sadiba. Mais une petite précision qui arrive souvent, c'est que le colonel Sadiba signe avec le cachet quand même de chef d'état-major général des armées. C'est vrai que la remarque a déjà été faite même par des internautes. Hein? Oui, et elle continue parce que ça date d'hier. Ça a été rendu public hier. On ne sait pas s'il n'y a pas de CNRD en réalité, où le colonel Sadiba est membre, ou qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas. Mais parlant du professeur Alpha Condé, on sait qu'au départ, il y avait eu une précision par rapport au délai. Et puis, ce communiqué-là insiste sur la base humanitaire de la décision. Et comme toujours, hein, pour des raisons humanitaires, alors qu'on aurait simplement pu dire pour des raisons sanitaires. Parce exactement. Mais il y a des soucis de santé, c'est ça la vérité. Mais le dernier paragraphe surtout précise, le CNRD et son président rassurent l'opinion nationale et internationale que la prise de cette décision a été faite dans la parfaite conformité aux dispositions procédurales d'ordre judiciaire. Oui, mais il se trouve que, puisqu'on a fini de rapporter ce qui a été dit, il se trouve que le professeur Alpha Condé nous a déjà été annoncé libre. Comment est-ce que vous pourrez comprendre qu'on autorise une personne libre? Quand vous êtes libre, on va parler probablement de Selou Dalein. On sait que à l'occasion... Peut-être que parlant de procédure légale, on fait référence un peu à cette procédure qui est enclenchée au non, niveau non, non, des, je ne parle pas tribunaux. De ça. Je parle du premier paragraphe qui nous annonce qu'il est libre. Il est libre, vous savez que récemment, quand le porte-parole de la présidence se prononçait sur le cas Selou Dalein, il a insisté sur le fait que Selou Dalein était libre. Et donc, il pouvait sortir comme il pouvait rentrer, comme bon lui semblait. Et pour le cas spécifique du professeur Alpha Condé, je rappelle que le tout dernier communiqué, l'un des derniers, c'était pas le tout dernier, je pense c'est l'avant-dernier, l'un des derniers communiqués du CNRD était celui qui nous annonçait que le professeur Alpha Condé était libre. Et ils n'ont pas dit qu'il a été autorisé, ils ont dit que c'est une information, tiens à informer oui, le peuple de Guinée, que c'est ce qui est dit. Oui. Qu'il se rend à l'étranger, c'est ce qui a été dit. Donc, je pense qu'il n'y a pas de polémique sur le paragraphe. Hein. Non, c'est bien précisé qu'il est autorisé d'aller. Et on voit que y avait eu une campagne avant. Vous avez vous-même reçu des responsables du RPG Arc-en-Ciel qui ont plaidé pour qu'on l'autorise à sortir du pays. On sait qu'en réalité, qu'il ne reçoit pas qui il veut, il n'a pas de téléphone, donc... Il y a des difficultés à ce niveau. Parlons maintenant de ce dernier paragraphe, là où vous insistez sur les procédures judiciaires. On aurait pu peut-être permettre au procureur, lui, de se prononcer par rapport à ça. Pas au CNRD, puisque le CNRD ne nous a pas dit qu'il est le détenteur de la boussole. C'est quand même important qu'il parte se faire soigner s'il est malade. Parce que même si on veut qu'il réponde de ses actes devant la justice, il faut bien qu'il soit en bonne santé. Non, clairement, je pense que toutes les tendances aujourd'hui concordent à cela. On veut que le professeur Alpha Condé se fasse soigner. C'est plutôt le CNRD qui semble vouloir utiliser son cas pour faire plaisir ou pour peut-être se faire bonne presse. Mais on sait que
le professeur Alpha Condé, ce n'est plus le problème. On voit que l'adversaire le plus coriace du professeur Alpha Condé a reçu ses partisans, donc il n'y a plus de problème à ce niveau. Peut-être que c'est juste avec le CNRD qu'on essaie de jouer avec le vieux. Emmanuel, bonjour. Bonjour Arissatou et bonjour à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Je pense que c'est quand même... D'abord, il faut saluer la démarche humanitaire, parce que même si c'est, même si on estime que c'est pour des questions de santé, on aurait pu dire qu'il pouvait se rendre dans un hôpital de Conakry. Mais une évacuation de ce type, concernant surtout un président, évidemment, on peut toujours la voir sous l'angle humanitaire. Je pense maintenant que concernant la question, le débat que nous soulève, qui est quand même important, relatif au fait qu'on autorise une personne libre. Donc ça fait polémique, mais on peut aussi comprendre cela dans la mesure où depuis justement le communiqué qui a annoncé Alpha Condé libre, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu entre-temps des procédures judiciaires qui ont été engagées, dans lesquelles Alpha Condé est cité principalement, lui et d'autres personnes qui ont appartenu notamment à sa gouvernance. Donc on peut de ce point de vue comprendre surtout le premier et le dernier paragraphe qui parle justement de toutes les dispositions procédurales judiciaires en la matière. Ça veut dire qu'en réalité c'est un peu comme s'il se rendait dans un hôpital, mais tout en restant sous contrôle judiciaire. Après ses soins, en principe, il reviendra pour répondre de ce qui lui est reproché devant la justice. Donc, de ce point de vue, je pense que le communiqué, il est quand même assez clair. Maintenant, quand est-ce qu'Alpha Condé quitte ? Des informations nous font savoir qu'il quitte Conakry aujourd'hui même. Et que cette fois, peut-être, il n'ira pas aux Émirats Arabes Unis, mais en Turquie. Donc, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas officiel. De toute façon, le communiqué de la junte n'a pas donné ces informations, mais des sources proches de lui quand même nous font savoir qu'il ira en Turquie et qu'il ira aujourd'hui. C'est une information, il faut le dire, qui va faire plaisir au RPG, qui devrait faire plaisir au RPG. Bon, peut-être, bonjour Arissa Toub, rebonjour à la grande communauté Baga dans tout le pays, notamment à Kaloum, Lambagni, ma ville natale, mais aussi du côté de Boulbinet, chez Eladj Yafoudé. Bonjour à Duguntouni, c'est Mali Yembere. Bonjour à Madina Oula, à Kindia, il y a des problèmes. Et bonjour à la Fédération guinéenne de judo, où des athlètes auraient payé de l'argent sans voyager. On reviendra. Par rapport au cas Alpha Condé, vous savez, on est habitué à amuser la galerie dans ce pays. On a tous dit que la première déclaration relative à la liberté d'Alpha Condé, c'était juste peut-être une drague de la junte vis-à-vis de la CEDEAO. Mais en réalité, il n'était pas libre, puisque on l'a dit hier dans Talk, un homme libre, on ne peut pas fixer pratiquement peut-être son domicile à sa place. On ne peut pas filtrer pratiquement ses visites. Mais comprenons que c'est aussi une demande de l'Union africaine, la liberté d'Alpha Condé. Aujourd'hui, qu'est-ce que la junte fait ? Est-ce qu'on fait un parallèle entre la première liberté d'Alpha et cette liberté annoncée ? Quelle est la garantie qu'il revienne ? Quel est le temps qu'il mettra ? On veut bien qu'il se soigne, puisque M. Alpha Condé... Mais il est bien revenu la première fois. Oui, il était obligé de revenir. Il va revenir. Non, on l'a obligé de revenir. Parce que c'est pourquoi il est parti, c'est pas ce qu'il faisait de ce côté. Il est revenu, peut-être qu'il y a des garanties cette fois-ci, qu'il ne se prononce pas sur les cas politiques, qu'il revienne à temps, mais la durée n'est pas du tout déterminée. Mais on aimerait également qu'Alpha Condé se soigne, puisque tout ce qu'il attend en termes de charges, nous voudrions qu'il soit jugé. Et qu'on sache qui a fait quoi, il n'est pas encore coupable. Parce qu'Alpha a géré, il avait son entourage aussi cité, mais on voudrait que ce vieux ancien président soit quand même en bonne santé, bien jugé, revenir en Guinée, s'installer en Guinée, pour qu'on puisse avoir au moins envie des anciens présidents. C'est très important, je vais avoir contre ça. Pour terminer, le colonel Sadiba est allé à l'école. Je ne sais pas pourquoi nos dirigeants ne sont pas aussi intelligents, mais pourquoi ils continuent à signer les communiqués de CNRD avec le cachet de chef d'état-major ? Ou bien à la présidence, il n'y a personne qui puisse comprendre cela. C'est une confusion totale. C'est-à-dire, c'est des choses qui font que le monde entier... C'est pas une confusion. Non, c'est une confusion. Il n'y a pas de cachet, c'est NRD. Je peux fabriquer le cachet. Ça n'existe peut-être pas. Est-ce que c'est fabriquer un cachet, c'est la mer à boire ? Pas du tout. Quand même, il faut avoir la volonté de le faire. Non, c'est des zéros, c'est des fautes graves, c'est pas bien. Non, je suis pas d'accord. Non, bah pourquoi pas, Emma. Le président Mamadi Doumbouya, il est président du CNRD, mais il signe président de la République. Le CNRD, on sait que c'est une junte.
Or, les membres de la junte sont de l'armée. Il se trouve que Sadiba est de l'armée, il est le chef d'état-major. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne vois pas du tout l'incohérence. Sinon, il faut interdire à Mamadi Doumbouya de signer en tant que président de la République. Parce Attendez. Qu'il est président du CNRD. Non, il est chef de l'état en principe. On fait des corruptions dans ce pays. Oui. Sadiba est aussi chef d'état-major. Emma, dans ce pays, on fait des confusions. On appelle tous les ministres excellences. Ce n'est pas le cas. C'est le ministre des Affaires étrangères, des ambassades et le président qui sont des excellences. Mais nous-mêmes, on le dit. C'est une confusion. Deuxièmement, Mamadi Doumbouya n'est pas président de la République. Il n'est pas élu. Il est chef de l'État, chef de la junte. Il est président de la République. Écoutez, attendez. Il y a les termes qui sient à cela. Ça glisse, je vous dis, non, ça ne glisse pas. En réalité, on devrait l'appeler chef de l'État. La charte n'est pas une constitution. Oui, mais attendez, on fait une erreur. Mais pourquoi on fait office de constitution? Pourquoi on se bat aujourd'hui pour dire qu'il a violé la charte, qu'il fait office de constitution? Et vous venez me dire. Nous sommes dans un régime d'exception. La constitution, la charte actuelle lui a donné les prérogatives de président de la République. Ce qui ne devrait pas. C'est pour ça de légitimer un coup d'État. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, c'est pas parce que c'est écrit. Écoutez, on va avancer, on va pas. On est allé à l'école. C'est pas parce que tout est écrit. Dessus. Ça a déjà été dit. Je voudrais préciser, contrairement à ce que dit Emmanuel, on ne reproche pas à Mamadi Doumbouya de signer en tant que président parce qu'il parle en tant que président. Voilà. Là, le problème, il est où? C'est que le communiqué dit le CNRD fait quelque chose, on parle au nom du CNRD. Et on signe chef d'état-major général des armées. On ne reproche pas au colonel Mamadi Doumbouya de prendre la casquette de chef d'état parce qu'il dit président de la République, chef d'état, chef suprême des armées. On ne lui reproche pas de mettre le cachet de président de la République. On ne va pas refaire ce débat ici. Mais par rapport à Sadiba, il ne faut pas exclure cette possibilité. Qu'il ne soit probablement pas du CNRD. Le CNRD, c'est l'ensemble des forces. Parce qu'il y en a qui nous disent que, en réalité, le CNRD, c'est le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes. Le reste, c'est des gens qu'il a appelés et qu'il a voulu associer. Arisa Tou, très rapidement. Le CNRD est un organe de la transition. Est-ce que l'état-major est aussi un organe de la transition? Pas du tout. Peut-être c'est pourquoi. Qu'il est membre du CNRD. Non, c'est différent. Les organes de la transition. Il y a le président de la République, comme on l'a dit, il y a le CNRD, il y a le CNT pour le moment. Donc le chef d'état-major ou l'état-major de l'armée n'est pas un organe de la transition. Donc à partir d'aujourd'hui, qu'on fasse un cachet pour le CNRD, pour ne pas qu'on fasse la confusion entre l'état-major de l'armée guinéenne et le CNRD. C'est très important. Nous sommes dans un pays, le monde nous regarde, les gens vont se moquer de nous. Faites donc un cachet, c'est une demande de l'Incona ce matin. Tcherno Suleiman, bonjour. Bonjour Arisatou, bienvenue. Bonjour à tous. Quelque chose à dire sur le déplacement du président, forcément. Ben ouais, dire que Alpha Condé, il a décidé que... sa vie durant, il va constituer une épine dans le pied de la Guinée, de la République de Guinée. Comment ça, une épine? Oui, parce que d'abord opposant, il a été associé à tous ceux qui ont été dénoncés à tort ou à raison dans le cadre d'une supposée ou réelle déstabilisation du pays. Arrivé au pouvoir, il n'a pas été moins dérangeant pour ce pays en termes d'image, et partir du pouvoir déposé par l'armée, il constitue justement, a constitué un problème pour le pays. Voilà, c'est ça aussi le destin des hommes. Dieu lui a donné un destin présidentiel, mais il a fait de sorte que sa vie durant, disons, son image soit toujours étiquetée par justement cette autre réalité, parce que ça l'est. Alors cela dit, il va partir pour se soigner, parce que voilà, il n'est pas censé être bien portant, parce que moi je tiens cela d'un opérateur économique avec lequel je discutais dans les temps quand Alpha était au pouvoir, et que les gens tous les jours se levaient avec des rumeurs pour dire « Ah, il est mal en point, il est... » Il me dit « Mais mon frère, prends l'exemple chez toi, le doyen ou l'un des doyens qui a l'âge de Alpha, est-ce que vous vous attendez à ce qu'il se lève tous les jours en bon état ?»
dit l'information devrait être si le président est bien portant. Donc, l'état de santé de quelqu'un qui a l'âge de Alpha Condé, même... On ne peut quand même pas minimiser cet état de santé, c'est quand non, même... Je ne minimise pas, mais c'est de l'ordre naturel des choses. Naturellement, on est fait comme ça, l'humain, à un certain âge, tu es censé avoir des pépins. Donc, sauf on ne devrait pas en faire tout un drame. Non, bon, ça l'est pas. Le problème, c'est que, justement, étant donné qu'il a géré le pays, pour qu'après son départ, justement, les problèmes là continuent, voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut que un Sadiba Koulibaly signe au nom du CNRD, on ne sait à quel titre, parce que nous savons que le CNRD, il a un président, c'est Mamadi Doumbouya, mais derrière, on ne sait pas c'est que le reste de militaires et paramilitaires dont l'ensemble constitue le CNRD. Donc, on ne sait pas le poste qu'occupe Sadiba Koulibaly, ça relève de l'opacité, enfin, de l'une des opacités dans la gestion de cette transition. Donc voilà un peu, ça rajoute à la confusion qui a commencé déjà par la prise du pouvoir par l'armée, même si cette prise du pouvoir s'est assimilée pour un départ à une libération pour le peuple de Guinée qui était sous l'emprise que vous connaissez. Malheureusement, les réalités sont en train de nous rattraper. C'est une prise de pouvoir comme tout autre qu'on a connu durant l'histoire de ce pays. C'est un groupe de personnes qui s'accaparent du pouvoir pour en jouir des privilèges, point barre. Bienvenue, Bassekou. Bonjour, Arisatou. Bonjour à tous. Vous savez, les dirigeants africains, généralement, lorsqu'ils sont au pouvoir, eh bien, ils sont dans une sorte de santé de fer. Mais lorsque le pouvoir les échappe, généralement, après, ce qui se passe, après, les pépins de santé commencent. En tout cas, tous les dignitaires aujourd'hui d'Alpha Condé qui sont poursuivis pour des présumés faits de détournement de fonds, de blanchiment de capitaux. En tout cas, lorsqu'ils étaient aux affaires ici, on n'a jamais entendu parler de problèmes de santé assez avérés. En tout cas, il n'y avait pas d'informations qui circulaient sur leur état de santé jugé précaire. Mais depuis le coup d'État survenu le 5 septembre dernier, il faut constater eh bien, que les avocats, en tout cas, ont communiqué suffisamment sur leur santé, en tout cas qui pourrait expliquer aujourd'hui le fait qu'ils ne doivent pas être placés sur mandat de dépôt. En ce qui concerne le déplacement du président Alpha Condé, je crois que c'est un engagement qui a été pris par le CNRD pour dire qu'il veillerait personnellement sur l'intégrité physique donc, du président Alpha Condé. Donc, en se conformant à ces engagements qui ont été pris devant le peuple de Guinée et devant donc, les militants du RPG Arc-en-Ciel, je pense que c'est tout à fait normal que le CNRD autorise le président Alpha Condé à aller se faire soigner à l'étranger sur la base, en tout cas, des informations données par son médecin traitant qui pense que le président Alpha Condé devrait encore repartir à l'étranger pour se faire soigner. Mais cela ne doit nullement remettre en cause, notamment les poursuites judiciaires qui sont engagées contre le président Alpha Condé et 26 autres de ses co-dignitaires pour notamment des crimes de sang qui ont été commis pendant qu'il était aux affaires. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, si ce déplacement peut permettre à Alpha Condé donc, d'avoir en tout cas une meilleure santé pour qu'il réponde notamment aux poursuites judiciaires qui sont engagées contre lui. Et ce qu'il faut dire pour terminer, je pense qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui qui sont en conflit avec la loi, qui sont devant la CRIEF, notamment c'est le cas de l'ancien gouverneur de la Banque Centrale, Luceni Nabe. Vous savez, ses avocats avaient communiqué ici qu'il était urgent pour lui en tout cas de bénéficier d'une évacuation sanitaire. Le procureur de la CRIEF, en tout cas, ne lui a pas autorisé. Je pense que si on autorise Alpha Condé d'aller se faire soigner, on devrait autoriser notamment aux autres membres également, aux autres anciens dignitaires qui sont en conflit avec la loi pour des faits présumés de détournement
de fonds publics ou de crimes de sang, d'aller se faire soigner. Parce que si ce principe n'est pas obtenu, à mon avis, ça devient du deux par deux mesures et ça devient une Alpha, sorte de... Alpha, c'est un président. Attendez, ce n'est pas... Oui, même si c'est un président, mais et les autres cadres aussi qui et sont... Parce qu'on pourrait aussi accélérer la réouverture. De Donka, ça pourrait résoudre. Oui, mais cette c'est que les moutons se promènent, mais n'ont pas les mêmes prix. Ce n'est pas ça. Il y a le mouton du Mali qui pèse plus que le mouton de la Guinée. Mais puisque pour le moment, nous n'avons pas les structures sanitaires spécialisées pour la prise en charge, notamment de certaines complications, de certaines pathologies en Guinée, et que c'est comme ça que la Guinée a toujours fonctionné. En attendant la réouverture de Donka et qu'on ait des structures spécialisées pour de telles pathologies, on n'a plus l'habitude d'autoriser à nos dirigeants d'aller se faire soigner, puisqu'on a commencé, puisque Alpha Condé allait se faire soigner une fois, il doit repartir aujourd'hui. Je pense que les autres cadres qui sont en conflit avec la loi, dans le cas des présumés détournement de fonds publics ou de crimes de sang, on devrait aussi les autoriser à aller se faire soigner, puisqu'il y a, à mon avis, forcément des garanties pour qu'ils puissent revenir se faire soigner. Moi, ce qui concerne la communication qui a été faite par le CNRD, je suis parfaitement d'accord que on ne peut pas prendre des actes au nom du CNRD. Après, c'est le cachet du chef d'état-major quand même de l'armée qu'on trouve sur les signatures. Je pense que le colonel Sadiba doit revoir cela et le CNRD doit en tout cas recadrer, à mon avis, parce que c'est quand même incongru de prendre des actes au nom du CNRD. Après, sur les documents, c'est quand même la signature du chef d'état-major de l'armée qu'on voit sur les différents documents. Pendant ce temps, Lincoln, des questions sur la présence prolongée de ces loups à l'étranger et le porte-parole de la présidence qui assure qu'il est libre de rentrer. Oui, seuls les détracteurs qui sont en train quand même de trouver aujourd'hui des arguments par rapport au voyage de Sébou Dalein Diallo. Nous sommes en Guinée depuis que l'armée a pris le pouvoir. Ces loups n'ont été cités que dans un seul dossier relatif à la vente d'Air Guinée. À l'époque, il était ministre du transport. Il y avait un commissaire d'audit. Il y a un président qui a ordonné, en tout cas, la vente de cet appareil sur instruction peut-être des partenaires internationaux. Si les gens pensent aujourd'hui que ces loups, en tout cas, à mon avis, est en train de fuir la Guinée, je ne comprends pas. Vous savez, chacun a un agenda. Aujourd'hui, ces loups est à l'extérieur. Ces loups a des amis. Ces loups veut le pouvoir. C'est lui doit rencontrer assez de personnes. C'est le cas aussi pour Sidi Touré qui sont prêts quand même à concourir pour retrouver le fauteuil présidentiel. Vous ne voulez pas qu'il aille à l'extérieur, qu'il se voit avec leurs amis, ils ont de lobbying, ils ont des partenaires, ainsi de suite. Les gens devraient cesser de faire l'amalgame. En aucun cas, pour le moment, la justice n'a convoqué Sidia et ses loups à comparaître. Pourquoi ils fuiraient la Guinée? C'est pas leur pays. C'est des gens qui sont restés ici pendant des années. Alpha les a bloqués, ils ne sortaient pas. On parlait aussi, oui, ils ne sortent pas, leurs passeports se sont bloqués. Mais aujourd'hui, qu'ils ont l'accès, ils ont des conférences. Celui est allé, par exemple, au petit pèlerinage. Sidia va... Et il aurait pu rentrer après le pèlerinage. Mais il n'est pas forcé. Vous voulez le forcer à rentrer? Il aurait pu quand même. Mais attendez, pourquoi vous imaginez qu'il doit rentrer forcément? Est-ce que vous maîtrisez son agenda? Vous êtes son porte-parole ou son protocole? Celui a un agenda que son état-major connaît. Il est libre d'aller rencontrer. Il y a quelque chose cette présence, il y a quelque chose à dire dans ce sens. Vous n'y voyez pas de craintes. Moi personnellement, je ne vois rien à partir du moment. Oui, je termine. Je ne vois rien à partir du moment où ces loups ne courent aucun risque sur le plan judiciaire. Ça, c'est vous qui le dites. Le seul dossier pour lequel il est cité, ce dossier n'est pas encore instruit à la CRIEF. Le problème de ces loups en Guinée, il n'est pas judiciaire. Ce loup est politiquement persécuté, c'est ce qu'il faut dire. Non. C'est la vérité là qu'il faut dire aux gens. Ce loup a un dossier en justice parlant de son domicile et nous savons que pendant que ce dossier est pendant devant les juridictions du pays, la junte est allée démolir son domicile pendant que les lieux sont en litige. Mais il n'est pas passé la nuit sous la belle étoile. Non. Ça, c'est une autre histoire. Même vous et moi, j'espère que ça ne nous arrivera pas, mais à notre niveau, on ne va pas passer la nuit sous la belle étoile. Donc, ce n'est pas une information que de dire qu'après que son domicile soit démoli. Donc, pour vous, toutes ces persécutions pour expliquer son absence du pays. Ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait là contre lui, il ne faut pas exclure. En tout cas, moi, à sa place, je ne peux pas exclure qu'on attente à ma vie.
Donc il n'a pas, il n'a pas à venir s'exposer. Non, non, il faut le dire, il faut le dire. Si. Alors pour quelle raison? Dites-moi. Non, c'est vous qui exagérez. C'est vous qui faites semblant. C'est vous qui faites semblant d'avoir des yeux pour ne pas voir la réalité. Alors dites-moi l'urgence qui a fait qu'on a démoli son domicile. Démolir une maison et porter atteinte à la vie d'une personne. D'accord. J'espère que ça ne vous arrivera pas. C'est quand même un acte qu'on a tous condamné. On sait que cette démolition, ça ne concerne pas seulement Yassine Dieng qui est dans le cas. On a dit que c'est des actes. La démolition concerne Selou. Oui, il n'y a pas d'amalgame possible. Oui, nous, j'ai dit que nous. Tiens, comprenez-nous que nous, ce qui est arrivé à Selou est très grave. Sidia est dans le même cas, même s'il n'y a pas de démolition. Mais aujourd'hui, moi, je ne pense pas que Selou fuit la Guinée. Selou est suffisamment fort moralement pour rester en Guinée. À un moment donné, on a même attenté à sa vie ici. Mais il est resté. Il n'y a pas ce que le régime Alpha, pendant 11 ans, n'a pas fait contre Selou. Même mettre les chars de combat entre griffes devant son domicile. Il est resté, on ne l'a pas tué. De toute façon, M. Selou, après Alpha à l'époque, a le plus grand renseignement de ce pays. Moi, je pense que au moment opportun, se préoccuper de mais je ne pense pas. Il faut se préoccuper de la transition. Il faut gérer le pouvoir qu'ils ont pris. Voilà. Et laisser Selou puisque Amara a parlé. Il y a tellement à faire dans ce pays. Je ne pense pas que Selou soit inquiété. Et au moment opportun, quand il finira son voyage, il va rentrer tranquillement en Guinée. Puisque personne de nous n'est plus guinéen que Selou aussi. Il est guinéen. Moi, je voudrais dire ceci. Je pense que le débat autour du voyage de Selou, de son retour en Guinée, ne devrait pas se poser. Pourquoi? Parce que, à mon avis, pour le moment, il n'y a pas de poursuite encore judiciaire engagée contre Selou Dalein Diallo pour notamment l'affaire d'Air Guinée. Je pense, en tout cas. Mais le dossier, il est là-bas. Oui, attendez, mais pour le moment, le dossier n'est pas encore judiciarisé, c'est ce que je vais te dire. Moi, j'ai parlé avec la cellule de communication de l'UFDG, et bien des gens qui m'ont dit que si le procureur spécial, donc la CRIEF aujourd'hui, notamment, autorisait donc l'instruction du dossier, il n'y a aucun problème que le président donc, de l'UFDG rentre en Guinée pour faire face à la justice. Ce qui est évident, c'est qu'il y a eu beaucoup de. Il y a beaucoup d'informations qui ont circulé autour de ce dossier Air Guinée. Je pense que c'est l'occasion pour le président donc, de l'UFDG de faire face à la justice pour que la vérité soit connue dans cette affaire. Parce que depuis le temps de Condé, je pense qu'il y a beaucoup de dossiers comme ça qui ont circulé ici. Si le CNRD a pris l'initiative donc, de judiciariser l'ensemble de ces dossiers, je pense que les intéressés devraient accepter, si le dossier est judiciarisé, de comparaître devant les tribunaux pour que le peuple de Guinée soit édifié, notamment sur ces présumés détournements de fonds ou de corruption dans le pays. Allez-y, Emmanuel.